Bien, salut à toutes et à tous, c'est Exa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de notre série Ressources Pack Coup de cœur, donc c'est cool. Cette série vous plaît toujours autant, donc un grand merci à vous. J'ai lu également vos commentaires, donc comparé à par rapport à la dernière fois, voilà, où j'avais présenté le Ressource Pack d'un abo. Je pense faire ça à peu près tous les 2 à 3 épisodes, donc une fois sur 2 ou voire une fois sur 3. Donc voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos Ressource Pack si vous voulez que je les présente tout simplement, que je donne mon avis, etc. Donc voilà, également je te laisse, faire lâcher voilà un grand pouce bleu hein, pour ce pack de texture qui est juste magnifique. Donc voilà, bon déjà hein, voilà, tu vois la tenue, c'est la classe. Donc on se retrouve aujourd'hui, le lien est dans la description comme d'habitude pour le Saphir MC. Qui est vraiment un pack de texture que j'adore. Franchement c'est vraiment un pack de texture que j'adore, c'est au lieu qui me l'a donné, donc un grand merci à toi. Si tu écoutes cette vidéo tout simplement. Donc voilà, donc en gros, pourquoi j'aime bien ce pack de texture, parce que voilà, déjà ça part sur du bleu, tu vois, c'est ma couleur préférée, donc c'est cool. Donc voilà, bon, on commence tout de suite hein, les diamants, voilà, qui sont magnifiques, l'or magnifique, ça fait voilà, tout est beau dans ce pack de texture. Également oui, donc juste avant je record avec OBS maintenant. Donc du coup voilà, donc la qualité risque d'être un peu moindre vite fait. Donc voilà, donc je m'en suis un petit peu désolé, j'ai pas fait énormément de réglages pour l'instant, donc voilà. Voilà, donc on va passer donc à ceci, donc hop, épée, les épées on va dire un petit peu moins principales, donc l'épée en wooden, l'épée en gold et l'épée en stone. Voilà, et on va prendre les 2 meilleures épées, alors là vraiment, l'iron, j'ai fait de la merde, l'iron sword, voilà, vraiment une, alors je sais que ça pourra pas plaire à tout le monde, parce que voilà, les petites épées comme ça me plaît en général pas à tout le monde, mais moi franchement j'adore, j'aime pas forcément en vrai les petites épées. Mais vraiment celle-là en fait, je sais pas pourquoi, je la surkiffe tout simplement. Et pareil pour celle en diams, mais je préfère quand même celle en fer. Voilà, donc ensuite, hop, on va prendre ceci, ceci et ceci, et ceci, et ceci, voilà. Donc comme vous voyez, les potions ont une forme un petit peu différente, voilà, tout simplement. Les petites, alors je vais me faire passer sûrement pour un inculte, mais je ne connais pas ce signe, mais voilà, je l'ai déjà vu quelque part. D'ailleurs, n'hésite pas à dire en commentaire qu'est-ce que c'est, mais moi je ne m'en souviens plus, voilà. Voilà, l'Underpearl donc a été assez modifié, franchement j'aime bien. Donc voilà, également j'ai mal à gorge, mais ça, tout le monde s'en bat les couilles hein. Donc voilà, donc pour la fishing rod et l'arc, je trouve vraiment juste magnifique, alors toujours avec un autre signe alors que je ne connais pas non plus. Donc voilà pour le critique, et puis voilà, bon, il n'y a pas le système donc de flèches plus ou moins coloré hein, voilà, en détermination de l'angle de tirage de cette arme, bref, comprenez. Donc voilà. Et le feu également, bon, le fire, je vais peut-être éviter, attendez, je vais peut-être éviter, parce que bon, également, il y a eu quelques petits problèmes avant, d'accord, donc j'étais déjà en game d'un, bah ça, écoutez, hein, ça c'est la vie, c'est des choses qui arrivent, ah non, c'est bon, je t'ai foublié, ok, très bien, donc voilà, donc le fire, alors ça c'était intelligent, vraiment, je suis l'homme le plus intelligent au monde, je pense, donc voilà, bon, le fire, comme vous voyez là, donc voilà. Hop, on va repasser en game mode 1. Très bien. J'ai terriblement mal à la gorge, bref, on s'en fout. Voilà, donc bon, les coups de sharpness, donc avec le diamant. Alors, le diamant que je vous ai pas fait voir, mais que je trouve vraiment magnifique. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et les coups de critique plus sharpness, voilà, qui sont avec ce petit signe qu'on voit avec l'arc, tout simplement. Voilà, également après, bon, que je pourrais ajouter, oui, bon, les pommes, bien évidemment, donc les pommes normales, les pommes, voilà, et les pommes de notch, très bien, donc la bouffe, bon, qui a été plus ou moins modifiée, ça doit être les patates, ça c'est le steak, ça c'est le porc, enfin bref, écoutez, hein, ils sont partis dans les bails chelous, les poteaux, voilà, on va les laisser, ce n'est pas grave. Voilà, tout simplement, également maintenant on peut faire voir les armures, alors l'armure en, comme ceci, en cuir, bon, qui n'a pas été énormément changée, pareil pour celle-ci, l'armure en iron, que j'aime bien, qui est peut-être un petit peu plus clair que les autres fois, je sais pas trop en fait, mais vraiment l'armure en diamant que j'adore, c'est couleur bleue en fait, surtout quand elle est en chant, je l'adore. Donc voilà, donc c'est vraiment un grand coup de cœur à ce niveau là et également, donc voilà, bon, le ciel de nuit, un ciel plus ou moins normal, et le ciel de jour qui est également plus ou moins normal, mais qui est pas mal, disons-le, qui est pas mal. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va se retrouver vite fait, comme d'habitude, sur la petite île. C'est pas par là. Attendez, on va survoler la map, on va bien la trouver au bout d'un moment. C'est soit de ce côté.
Raté, c'est l'autre. Très bien. Ah, si, c'était... Non, c'était pas là. Bref, donc du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser, bien évidemment, un petit pouce vert pour cette pour ce ressource pack. Le lien, bien évidemment, est en description. Voilà, je vous invite également à laisser vos ressource packs. Et regardez, on voit l'île, c'est magnifique. Oh, dommage. J'aurais presque pu croire que ça allait atterrir sur un de ces moutons de la moitié. Voilà. Donc voilà, bon, qu'est-ce que ça donne dans un monde normal. Vraiment, voilà, bon, c'est cool. J'aime bien ce genre, en fait. Je sais pas trop comment vous dire qu'est-ce qui change, mais voilà, que ça soit les cubes de dirt, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui m'avait manqué. C'est plus ou moins simple, entre guillemets, hein, mais vraiment, j'aime bien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, bien évidemment, et ben, à lâcher un petit like, un petit commentaire. Cette série vous plaît énormément, donc un grand merci à vous. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Et puis, encore une fois, bonne année, voilà, à vous tous, si je n'ai pas déjà dit. Bref, merci à vous, et on se retrouve bientôt. Bye bye.